Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial de Minecraft.jar. Ça fait un an à peu près que la série est lancée et on est là pour vous parler un peu. Ça va être un épisode où on va beaucoup discuter, je pense, et je suis évidemment. On va beaucoup discuter. On va discuter de quelque chose de sérieux, mais on va quand même le faire avec légèreté, comme d'habitude. Toujours avec légèreté. Voilà. Je propose qu'on aille récolter vite fait le champ, s'occupe des animaux en même temps, comme ça, ça fait un peu d'action. Il se trouve que il y a un an, Minecraft.jar a commencé, et on vous a jamais vraiment expliqué les raisons pour lesquels on a fait Minecraft.jar. Hein. Enfin, il me semble, on n'a jamais évoqué la chose. Non, c'est... Et en même temps, c'était voulu qu'on ne l'évoque voilà, pas. Voilà, c'est ça aussi. C'était voulu parce qu'il y avait une raison. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà une partie de cette raison et s'en sont doutés. Hein. Très longue ta phrase. Non, mais on peut dire ça comme ça. Enfin, je fais des phrases longues parce que, enfin, tu vois, j'ai un peu envie de retarder l'échéance, tu vois. Enfin, c'est normal. Ça fait un an qu'on fait un peu tourner en rond en même temps. Donc, c'est ça. À un moment, faut expliquer, faut parler, faut peut-être se justifier aussi un minimum sur certains points. C'est ça. NT, je le connais depuis plus longtemps que Minecraft.jar. C'est ça, on vous a toujours dit en fait, normalement, qu'on s'était connu à peu près en même temps que la série, mais c'est pas vrai. On se connaît depuis un peu plus d'un an avant le début de la série. Voilà, un peu plus d'un an avant le début de la série, et pour une raison un peu simple, c'est... On va reprendre du début. Quand j'ai commencé un petit peu sur YouTube, Hunter aussi faisait des vidéos, hein, et donc du coup, moi je regardais un petit peu ce qu'il faisait. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait, non pas forcément pour son contenu, mais aussi pour. Si, sympa. Arrête. Non mais pas forcément pour son contenu, mais aussi pour la personnalité qu'il avait. Enfin, ça m'a vraiment plu en fait. Et donc du coup, de fil en aiguille, je lui avais envoyé des messages privés. Des messages privés YouTube. Et ça, il faut le relever. Parce que les messages privés YouTube, c'est un truc qui existait quand même pour de vrai à une époque où YouTube était bien dégueulasse d'ailleurs, où on avait des messages privés qui étaient lisibles, où on pouvait répondre à peu près aux gens, on pouvait communiquer comme ça. C'était une belle époque. On savait où ils étaient parce que je crois que maintenant il y en a encore, mais ils sont cachés. C'est ça. Il y a eu une mise à jour il y a un certain temps maintenant de YouTube où ils se sont dit, et si on cachait littéralement les messages privés YouTube pour qu'ils restent vraiment privés, ouais, c'est une façon de voir les choses. Et il s'avère donc que tu m'avais envoyé un message où tu parlais de ma voix, entre autres. Ouais, c'est vrai, je parlais de ta voix. On a discuté de pas mal de temps, on s'est vu, machin, et petit à petit, il s'est avéré qu'il m'a plu. Oui. Et que je lui plaissais déjà, évidemment, sans surprise. Oui, je lui ai dit que sa voix me plaisait. Tu vois, à ce moment-là, tu fais, bon, ça y est, j'ai gagné, y a pas de challenge, c'est tranquille. Et on s'est mis ensemble. Donc, un an avant le début de Jar, hein, donc en mars. C'était fin mars 2014, je crois. Tu connais pas la date. Arrête, non, c'était 2014, c'est ça. La date exacte. Les années, tu sais bien. Oui, non, 2014, c'était bon quand même, faut pas déconner non plus, mais. On n'a jamais eu la même de date exacte. Toi, tu m'as toujours dit que c'était le 15 et moi, le 16. Le 16. Le 16. Alors, excuse-moi, mais je sais pas si. Enfin, est-ce que tu considères. Enfin, on s'est vu le soir, donc c'était peut-être à minuit, donc c'était peut-être le 15, c'était peut-être avant minuit. C'est possible, hein, on sait pas ça. Hein. Bref. Oui, voilà. Bref. Et pour moi, ça a toujours été le 22. Enfin voilà, c'était voilà, donc, une semaine après. La synchronisation la plus totale. Et maintenant, puisque je disais qu'on a quand même se justifier sur certains points. Tu me suis ? Oui, je te suis. Okay. J'ai plus de bouffe. Qu'on allait se justifier sur certains points. Tu veux de la nourriture ou t'as. Non, j'ai. Oui, t'as plus de bouffe, genre t'as faim, putain. Qu'il fallait quand même se justifier sur un truc, c'est pourquoi ça arrive maintenant ? Pourquoi ça n'a pas été dit tout de suite ? Et pourquoi certains trucs de Minecraft.jar ? Parce qu'on en a joué. Ouais, on en a beaucoup joué. On s'est bien marré avec ça. Et c'était voulu d'en jouer aussi, hein. Enfin, on va en parler, mais voilà. C'était voulu. En fait, on arrive, on est en 2015, disons, début 2015. Et l'homosexualité est peut-être pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Repopulation.
et c'est parfois particulier de parler de certains sujets. Et en fait, on voulait voir ce qui se passerait. Si on sensibilisait juste le public comme ça à ce principe-là, en fait, ce principe très con. Sans forcément l'annoncer, tu vois. Sans forcément l'annoncer, en se marrant un peu, en jouant sur le truc. Voilà. Et on s'est bien marré, il faut l'avouer. Au bout d'un moment, il faut dire les choses, par contre, parce que vous nous suivez depuis un an sur une série, donc peut-être qu'il faut le justifier sur certains points. Mais voilà. Ouais. Et c'est surtout que voilà, honnêtement, moi je disais toujours à Hunster, non, je veux pas trop qu'on en parle, voilà. Et puis c'est vrai que Hunster m'a dit, bah attends, écoute, on va faire genre. Bah on va en parler, mais on va pas en parler. On va en parler. Enfin voilà, il a été vachement intelligent. Et c'est vrai que, ben, en voyant vos réactions pendant un an, c'est vrai que voilà, ça m'a et ça nous a conforté dans la chose. Et c'est vrai que maintenant, au bout d'un an, voilà, on peut le dire, voilà, Hunster et moi, on est en couple et on est très heureux. Ah, c'est beau ce que tu dis. Mais oui, c'est... Je suis ému, bordel. C'est mignon, c'est la première fois qu'on le dit en vrai, tu vois, qu'on le dit officiellement. C'est gnangnan à crever, je suis en train de couper des laines de mouton pendant que tu racontes tes conneries. C'est génial, mais voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de parler de ça au bout d'un moment. Les 1 an de la série était une bonne occasion pour nous de le faire. Oui. Et donc on s'est dit qu'on allait le faire, c'est un peu logique, ma phrase tourne en rond. Tu voilà. Me déstabilises à mort, enfoiré. Je suis désolé. Mais donc voilà, on a fait ça. Je sais pas ce que vous en pensez en soi. Non, et puis c'est surtout aussi qu'au bout d'un an, on s'est dit, on est en couple, certes, mais ça doit pas. Enfin, on n'a pas envie de le dire officiellement, mais ça doit pas nous empêcher de faire des choses ensemble. Et c'est vrai qu'on était tous les deux sur YouTube, on aimait beaucoup les jeux vidéo. Et donc. C'est vrai qu'on s'est dit, bah, faire une série où on joue ensemble, il y a trop de bordel. Où on joue ensemble sans forcément bah, parler du fait qu'on est en couple, parce que c'est enfin on peut s'amuser sans. Non, ce qui dit pas, c'est qu'à la base moi j'étais contre. T'étais contre, oui c'est vrai. J'étais contre parce que c'est un peu too much. On se connaît bien. Je dois l'appeler Nudie Teuf à chaque fois. Et pas Julien. Et c'est assez particulier parce que. Vu qu'on avait cette crainte de comment ça va être accepté, comment ça va être reçu par les gens, en fait, t'oses pas trop dire les trucs, c'est hyper, hyper sombre comme. Le début de la série, on n'en parlait pas vraiment, tu vois. On avait fait ça vraiment en mode. Oui, voilà, petit à petit, c'est venu sur l'idée de jouer à ça. Pas. Et d'ailleurs, le fait d'en parler, ça vient de vous. C'est vous qui vous êtes marré. À la base, c'est venu d'un premier fanart, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a réclamé des fanarts après. C'est vrai que c'est eux qu'on inventait finalement quelque chose qui était vrai. C'est ça. En fait, vous avez psychoté parce que il y avait des trucs qui devaient passer plus ou moins discrètement et des trucs qui devaient passer beaucoup moins discrètement et donc il y en a peut-être qui se sont fait des idées, peut-être qui avaient compris et donc petit à petit on voit le truc, on découvre un fan art à la con, on se dit putain c'est drôle quand même, on pourrait se marrer avec ça, qu'est-ce qu'on a rigolé quand même. En plus je crois qu'on était, je sais plus, on était chez moi, je crois quand on l'avait vu passer sur Twitter, enfin. J'en sais rien. Si, il me semble. Et enfin voilà, on s'était marré sur le moment, je lui ai fait regarde ce qu'on nous a fait et c'est de là où est venu un peu le truc et on a joué un peu là-dessus parce que les fanarts ça nous fait rire et parce qu'il y a des choses assez drôles qui ont été faites et ça nous permettait de parler de la chose et en fait on vous disait honnêtement et assez directement de manière générale qu'on était ensemble ou qu'on était gay ou que machin sauf que vous nous croyez pas précisément et vous pensez qu'on faisait une vanne et c'était ça le projet en fait et c'était ça qui était encore plus facile pour nous parce qu'on savait que quoi que ce qu'on dirait ça se dit quoi que ce qu'on dirait oui. Quelles que soient les choses qu'on dirait, vous les prendrez, quoi qu'il arrive, au second degré, en fait. Donc, ça nous permettait de dire des vérités sans forcément que vous les preniez, toujours avec une espèce de recul. Et en fait, ça permet de jauger des trucs et de faire passer des idées, des machins, et de voir comment le public peut recevoir ça. Il n'y a pas des milliards et des milliards de couples gays sur YouTube. Du moins, j'en connais pas spécialement. Officiel. Enfin, on n'en connaît pas, quoi, parce que il y en a sûrement et on en a sûrement dans notre entourage qu'on connaît pas machin mais en fait c'est pas quelque chose qui est pour l'instant très annoncé, très connu, très public, très machin. Peut-être qu'il y a une espèce de gêne quand tu vois les débats qu'on peut avoir en France sur des trucs aussi con que le mariage. Plus, enfin aux États-Unis ils ont beaucoup moins de mal à le dire j'ai l'impression, enfin sur YouTube en tout cas et c'est vrai que nous en France il y a ce blocage parce que il y a eu mais les tabous évoluent parce que quand on a commencé nous sur YouTube pas au tout début mais quand on a commencé à gagner un peu d'argent sur YouTube l'argent c'était un truc hyper tabou
waouh, l'argent en France, on n'a pas le droit d'en parler, machin. À l'heure actuelle, sur YouTube, on peut parler d'argent et les gens vous crachent pas au visage. Ils comprennent que maintenant, YouTube, c'est une activité, que ça prend du temps, que machin. Et bah, la sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, c'est des sujets qui n'étaient pas mis en avant de base. Ouais. Et peut-être pas trop accepté, ou du moins bah, pas trop connu, donc on pouvait pas savoir comment ça allait être reçu. Et donc il a fallu un peu qu'on fasse nos découvertes ainsi, et voilà quoi. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé, et puis ouais, enfin c'est cool. Enfin, moi je vous remercie vraiment de la façon dont finalement vous avez accepté ces blagues qui finalement n'en sont pas, puisque voilà, aujourd'hui vous. Vous découvrez la vérité, et voilà. Enfin, ça me fait un petit truc quand même de vous le dire. Enfin, non, ouais, c'est assez particulier comme truc, mais ce qui nous a fait beaucoup rire, je me rappelle à Nantes, il y a pas si longtemps que ça, s'il vous plaît. On a fait une conférence ensemble. Oui. Une conférence où on s'est juste éclaté parce que les gens nous posaient des questions vannes, c'est-à-dire des questions où ils parlaient de notre couple. C'est vrai. Sauf que pendant toute la conférence, je crois qu'il y a des images qui traînent de la conférence s'il vous plaît. On se jette une quantité de regards débiles en mode mon Dieu, vas-y, qu'est-ce qu'on ose, qu'est-ce qu'on peut balancer. Et on balance. Première question, c'était aussi est-ce que vous êtes en couple, il me semble, ou un truc dans le genre. C'est ça. C'est ça. Et on répond oui d'ailleurs. On répond oui avec une vanne, mais on répond oui. On répond pas oui. On a dit. Enfin, si, on répond oui. On répond oui, mais pas en disant oui quoi. C'est ça. On dit, on préfère que ces choses-là restent privées. C'est ça. Mais ça veut tout dire quoi. Si quelqu'un te dit. Reste vague à ce sujet, enfin ça veut tout dire. Clairement. Mais sauf qu'on avait cette crédibilité de la vanne parce que vous étiez habitué à nous voir vanner là-dessus, et donc ça nous permettait de faire pas mal de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on ira tous les deux au Digital and Game Show. C'est ça, à Strasbourg. Waouh. Ouais. Tu lis dans mon planning, mon Dieu. Bah ouais, c'est comme ça et tout. Bah, donc temps, on sera là-bas tous les deux. Temps, on fera une petite conférence ensemble. On prend le même train, Star. Donc du coup, de base, ça aide. Il y a aussi un truc qui nous a fait marrer. À un moment, on s'est fait griller. Et honteusement. Faut savoir que les épisodes de Minecraft.jar ne sont pas toujours tournés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on tourne chez moi, il y a des moments où on tourne chez lui, et il y a des moments où on tourne chacun de notre côté. Ouais, c'est ça. Il s'avère qu'on vit pas ensemble. Hein. On vit pas spécialement ensemble. On est souvent l'un chez l'autre, évidemment, mais on n'habite pas ensemble. Ouais. Et il s'avère qu'il y a des moments où vous entendiez de l'écho. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où. Alors, même type d'écho que t'entends sur une vidéo de Skyheart et Chelsea, tu vois le délire. Par exemple, c'est ça. C'est la vidéo de gens qui habitent ensemble. C'est-à-dire et que voilà. C'est juste qu'on était à côté, en fait. Voilà, quand la sensi du micro augmente un petit peu, tout ça. Enfin, voilà. Enfin, je pense que mes abonnés voient un petit peu comment c'est chez toi. Toi, ils voient pas parce que c'est un peu secret. Et du coup, ouais, chez moi, il y a un bar en fait. Et en général, il est sur le bar de ma cuisine. Et puis moi, je suis à mon PC. Donc c'est vrai qu'on est vraiment très proches, quoi. Et donc du coup, faut vraiment régler le gain du micro au minimum. Et c'est vrai que des fois, il y en a un qui parle plus fort, ou il y a un truc où il y a un silence, et bam, ça y est, on entend un écho. Oui, parce que les youtubeurs millionnaires, ça n'existe pas. Hein. Moi, je me suis mis avec lui par intérêt à la base, en me disant waouh, deux youtubeurs riches, on va avoir une villa. Et non, toujours pas. J'attends toujours la villa. J'attends toujours la villa. Mais ça arrivera. On compte sur vous, évidemment. Donc, on va ouvrir une page de dons. Hein. Une page de dons. La villa. La villa. Pour Julien et Sébastien. Pour Julien et Sébastien, bah oui, on va. C'est mignon. Mais donc voilà, donc on passe peut-être à autre chose. Si t'as rien à ajouter, on a fait nos annonces après un peu de temps. Voilà, mais on voulait poser, mettre les choses au clair. On espère juste que vous prendrez la nouvelle de la même manière que vous avez pris les blagues qu'on pouvait faire au même sujet. Ouais. Qui n'était pas finalement. Ouais. Voilà, et on vous remercie par avance pour le soutien finalement que vous nous avez apporté. Mais même vos dessins en fait finalement apportaient du soutien parce que ça voulait dire que bah, vous acceptiez la chose, tu vois, comme c'était comme si vous il y en a qui acceptaient peut-être un petit peu trop la chose quand même. Oui, il y en a peut-être. Il y a quelques-uns qui acceptaient un petit peu trop la chose. Ça allait un peu loin, mais voilà. Bon, on fait quoi? On va dans ma fiole ou dans ta fiole? Oui, du coup cette vanne prend tout son sens. on va dans ta fiole. Waouh. Chute de FPS, excuse-moi, ça m'a déstabilisé. Ça t'a déstabilisé. Ça m'a mortellement déstabilisé. Et bah, let's go dans ma fiole qui ressemble à une petite fille qui pleure, sataniste, qui a invoqué le démon. Ah là là, la fameuse fille sataniste. Et qui a invoqué le démon. La dernière fois, j'étais à un arrêt de métro qui s'appelait Fille du Calvaire. Oui, bien sûr. Ligne 9. Je rigole, je bluffe. Non, ligne 11.
Pas du tout. Non, je dis des chiffres au pif. Alors, c'est pas la 7. C'est pas la 14. C'est pas la 8. C'est pas la 6. Elle passe à République. Donc, c'est peut-être la 8. C'est vrai ? La 8 passe à République, il me semble. Ouais. Ouais. Ah, je sais plus. Bref, on va pas faire une analyse métro non plus. Non, carrément. T'as vu, je suis pas du tout allé dans ma fiole. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, t'es allé dans la fiole des villageois morts. Non, mais cette fiole a plus aucun sens. Bah ouais, mais tu te rappelles, en même temps, on y était allé en mode warrior. Ouais, mais ça s'est mal passé. Hein. Ça, on en a sorti vivant, je crois. Oui, de peu, mais oui. De peu, ouais. T'avais mis plein de seaux d'eau en haut. C'est vrai, mais ça, c'était pour les Enderman. Oui, c'est vrai, tu voulais mouiller les Enderman pour qu'ils soient en PLS. Ouais, j'aime bien les coincer dans les seaux d'eau. Qu'est-ce que tu es élégant, j'adore sa version. c'était glam, c'était waouh. Plus classe la prochaine fois. Et c'est toi qui as commencé, hein. Moi j'ai été plus subtil. Hop, attends, j'arrive. Attends. Okay. Hop. Ouh, j'ai failli tomber. Ok. Et t'as perdu les os. Voilà. Je. Oui. T'as perdu les os. Ouais, alors par contre, évite de me faire tomber. C'était le projet. Je sais qu'on est en keep true, mais c'est bon. En keep true. En keep true. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. On vient vraiment dans Majar? Bah, là, visiblement, on est en. Non, parce que, en vrai. Tu peux t'arrêter juste devant, mais trop tard. Ok, j'ai raté. En vrai, hein, on s'est dit, bon, on fête les 1 an, on va vous expliquer tous ces trucs, etc. Mais on n'a rien prévu d'autre. Mais en même temps, est-ce que on a déjà prévu des trucs dans un seul épisode de Minecraft.jar? Oui! Oui, dans certains, mais je pense que. Il se compte sur le doigt d'une main, tu vois, ce qu'on a préparé. D'une main d'un mec qui a qu'un bras. Oui, enfin, que le mec ait deux bras ou ouais, il reste un bras, dans tous les cas, hein, mais... dans tous les cas, on compte sur une main, donc ouais. Oui, bon, ok, d'une main d'un mec qui a que six doigts par main. Hein. Ah, d'accord, donc il y a six épisodes. Il y a six épisodes. D'accord, il y a six épisodes qui ont été... où on a prévu de faire quelque chose à chaque fois, génial. Allez. J'ai... Ah. Je suis désolé, je pensais pas que ça menait là en fait. Mais c'est toi qui as construit ce truc. Je me suis frotté à la fille. Regarde, là, j'ai pas compris. Tu remontes, tu revas au troisième croisement sur la petite bouclette. La tu petite t'es trompé là. Ouais, je me suis trompé. Au troisième croisement, petite bouclette ici, tu ressautes dans l'orifice buccal et boum, tu arrives à l'entrée. C'est logique. Génial. Par contre, sinon, il y a plus court, tu vois. Tu c'est rentres vrai par ici, tu vois. Tu fais ça. Ça, ah bah enfin, bon bref. Bah juste ça en fait. Ouais, juste ça. Ouais. C'est un peu nul ce que t'as finalement, fait. Juste ça, ouais. Finalement. Est-ce que je peux sauter sur la fiole en face? Je pense que t'as pas assez de vie. Et non, je pense que c'est... Je pense que c'est beaucoup trop loin. Sinon on l'aurait déjà fait en fait. Ouais, on l'aurait déjà fait. Ok, on va où? On fait quoi? Je ne sais pas, une sœur. Merci, bonne continuation. J'adore ce que vous faites. Je ne sais pas. J'ai pas les mots là. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Attends, c'est quoi cette chanson? La Fouine. Ah d'accord, je pensais que tu faisais Sheriff Falouna. Ah, c'est peut-être fit Sheriff Falouna, hein. Ah bon? Ou c'est peut-être pas du tout La Fouine, hein. C'est peut-être mais pas c'est du tout une La Fouine. Nana, parce que c'est pas La Fouine qui fait j'avais pas les mots. Mais je la connais pas, je la connais pas cette chanson. Mais moi non plus, je suis même pas sûr qu'elle existe, hein. Ah d'accord, okay. Mais si, peut-être. Bah écoute, La Fouine, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, La Fouine, bah fais-la. Donc en couple avec Booba d'ailleurs. La Fouine? Ouais. C'est vrai? Ouais. Non, je pense pas. Qui fout la merde, tout ça. Tout le monde est en couple. Attends, d'ailleurs, Siphano est pas en couple avec Blondie. Non. Il est en couple avec... Super Brioche. Bah, ah bon? Ouais. Je crois que c'était avec Zef. Ah ouais, avec Zef. Bah, ils sont polygames. Non, et... ce qui est marrant, ouais, par contre, c'est que du coup... moi j'avais certes quelques potes qui étaient au courant, tu vois, que j'étais en couple avec toi. Et du coup ils commençaient à voir tous les youtubeurs en couple, mais tu vois, gays. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de combinaisons, genre Fanta était avec Bob par exemple. Fanta et Bob, t'imagines ce couple, quoi. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça me faisait marrer, parce que voilà. C'est vrai que si t'imaginais que tous les youtubeurs étaient gays, ça ferait des duos un petit peu... Ça ferait des trucs marrants. Absurdes. Surtout absurde, dans les youtubeurs qui font du vlog. T'imagines l'un qui était racide, par exemple. T'imagines si on se dit qu'ils sont gays. Ouais. Oui, mais t'imagines, bon, t'imagines. Ouais, mais l'un qui était racide pourrait être gay, tu vois, par exemple. Ensemble. Moi j'y crois. Perso, j'y crois. T'y crois, ouais. Gus et Porto.
Ce serait drôle ça. Gus et Porto, c'est marrant aussi. Ce serait marrant. Surtout Porto, ça me ferait rire. Il y a quoi d'autre comme duo? Pepper et Blondie. Pepper et Blondie. Ouais, mais elles sont ensemble, elles sont sœurs, enfin elles viennent du Nord après. Elles viennent du Nord, donc voilà. Et Blondie, il lui fallait une couverture, donc elle a fait semblant d'être en couple avec Sif, qui c'est est donc ça. En couple avec Xef et Brioche. Ouais. Et là, on fait de la pure fiction, fiction romantique, couple of doom. Et c'est les bah dites-nous d'ailleurs dans les commentaires quel couple vous ferait le plus marré. le plus lolé, si ça. S'il l'expliquait. Et ouais, expliquez-le. Dites-moi, ouais, moi j'aimerais bien que ce soit machin et machin, parce que comme ça, il ferait. Enfin, je sais pas, tu vois. Comme ça, ouais, il ferait Minecraft Langer, quoi. Comment ça? Non, ça marche pas tout le temps comme ça, par contre. Ça marche pas toujours comme ça. Ils font pas. Je pense qu'ils font pas toujours une série ensemble. S'il y en a. Non, ce serait un peu. Enfin, bref. Ouais. Bon, les amis, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. On attend vos retours sur cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager. C'était NewTTF et Unstable Bleachers. Oh yeah. Allez. Bye tout le monde. Et restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye. Ouais, bye.